Salut à tous, aujourd'hui nous avons un tonton qui est un petit éclairable et on voyait un carton comme ça. Dessus, il a été malin, il a mis un porte-document avec le petit mot dedans. Hein. Comme ça, Mani n'a pas besoin de renifler où est la bouffe pour trouver le mot. Salut Malise, au vu de tes lectures, je t'écrivais à mon PC pour que tu puisses mieux décrypter mon écriture de cochon. Bon, c'était pas un problème, on y arrive. En plus, c'est bien, tu l'as imprimé en attaché, j'apprécie énormément. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, tes vidéos, tes coups de gueule que j'adore, car moi aussi j'adore gueuler. Ouais, c'est normal, on aime ça, la bagarre, hein. Tes conseils et surtout le temps que tu nous consacres, pas un seul message pour ma part sans réponse. Je fais ça moi? Je t'ai pas oublié une seule fois. Ça va aller, c'est quand même. Parce que des fois, j'ai des centaines de mails par jour et de com, et des fois, c'est chaud à gérer, je vous le dis, les mecs. Je t'offre cette contribution à ta chaîne pour tes petits lotos. Une petite LRP d'une dizaine d'années qui a dû faire qu'une dizaine de packs pour un petit haut, pour un petit pio. Et un Rustler 4x4 VXL. Un Rustler 4x4 VXL de juillet dernier, encore sous garantie. Idem, avec pas plus de 10-12 packs. Attention, monté en 17 ou 18-54. Ah oui, effectivement, ça t'a peut-être un peu poussé ce moulin. Étant passé uniquement en grande échelle, un cinquième, je te l'offre de bon cœur. Tu m'as aidé, sans que tu le saches, à me remonter le moral suite à un accident en juillet dernier. C'est là que j'ai découvert ta chaîne, cloué au lit pendant 2 mois. Depuis, t'inquiète, je vais mieux. Quelques autres petites choses et surtout des bonbons pour Gigi et le petit cornichon. Il a bien précisé, pour Gigi et le cornichon, donc tu ne touches pas, enlève tes doigts. Un dernier petit truc, merci Malise et RC Garage 68, signé Tonton Hugues. Alors, l'autre il me dit qu'il m'envoie 2-3 petits trucs, hein, des vieilleries. On se retrouve avec un Rustler sous garantie, mais mon kiki. Il y a la boîte d'origine! C'est un fou! Oh, de toute évidence, ils t'ont filé les mêmes médocs qu'à moi. Hein. Ah, les gars, ils sont ma boule. Ah, c'est génial. Alors. Viens par ici, mon petit. Reste, attention, deux, on va faire doucement parce qu'il m'a mis des petits pommes chips partout, il est malin. Donc la célèbre radio LRP T2M, je sais pas quoi, elle a été rebadgée par 36 000 fabricants cette radio. Après, elle a toujours très bien fait son taf. Là-dedans, nous avons un engin, donc HSP, BSD, FTX, FS Racing, je sais pas quoi, badgé ici. LRP et par contre tonton, ce que tu peux nous dire si c'est la caro d'origine, parce que si c'est d'origine, alors la vache, ils ont fait un truc immonde chez LRP. Moi il me semble que ça c'était le buggy et ça c'est la caro du LRP Blast, et on a déjà un truc, regarde, funky, regarde l'éclipse de caro, c'était juste du plastoc. Pas pour l'aéron, hein. Délirant. Donc tonton, tu nous diras justement si c'est d'origine ça, ou si c'est toi qui a effectivement mis la... ce machin, parce que ça, normalement, ça va là. Voilà, on y est, ça, et là, normalement, c'est un... Ouais, c'est un buggy. Ça tombe bien, puisque nous avons à côté deux LRP Blast. Je vais très certainement en faire un plus pièce. Si on peut en faire deux, c'est bien. D'un autre côté... Comme c'est des engins plus trop répandus, et bon, non, enfin, j'allais dire, on trouve pas les pièces, mais c'est faux, puisque c'est du HSP, Apsima, machin, bidule, tout sort de la même usine, là, toute cette série de véhicules. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir des pièces de version moderne. On a quand même déjà de l'époque 4 amortos hydrauliques plastoc, mais qui fonctionnent. Là, ils sont remplis bien light avec l'huile, du coup, ça lui permet d'être bien à l'aise dans le tout-terrain. Les pneus sont bons, les 4. On a un moteur brushless LRP modifié déjà, un 17 tours. Oh, mais dis donc, ça devait avancer quand même un petit peu, ce machin. Couronne donc en plastique avec le slipper. La construction, vous la connaissez, comme dit, on a déjà fait gagner plusieurs de ces engins.
Et là, celui-là, il ne va pas y déroger. On va l'ouvrir. On va regresser à l'intérieur des diffs. On va régler ça là. Il existe donc les couronnes en métal disponibles. Il faut chercher sous la bonne marque. Et le Vario est un modèle Kraft 9,6 volts. C'est pas l'origine. Ce machin-là peut prendre 9,6 volts. Ça, c'est intéressant. Bon, après, le moteur, lui, par contre, en 17 tours, risque de pas aimer 9,6. Hein? La carreau, comme dit, on mettra celle qui va bien avec. Et t'as effectivement irréprochable le machin. Il est l'impression qu'il sort de la boîte. Il doit être sympa, bien souple comme ça là sur le petit terrain là derrière. On fera les essais. C'est donc un 4 roues motrices. On a quand même les CVD en métal, les noms en métal, tout ça. Transmission centrale par cardan en métal. C'est un peu dommage effectivement qu'ils aient laissé à l'époque cette transmission ouverte ici, mais il existe maintenant un cache sur certains modèles qui doit pouvoir s'adapter sans problème sur celui-là. Donc là, on va se pencher dessus parce que sinon les pieux ils sont trop vite embêtés. Alors dans l'herbe ça va, mais dès que tu roules un peu dans le sable ou autre, c'est vrai que ça se prend dedans et c'est très vite un problème. On mettra évidemment une radio en gigahertz, si possible avec 4 pipiles seulement, hein, c'est quand même un peu plus simple. Alors je vais poser ça de côté. C'est d'enfer, mais c'est que le début. C'est que le début, je vous le dis moi. Avant d'attaquer le plat de résistance, on va continuer avec les amuse-bouches. Alors là, nous avons encore un nouveau nom. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il l'a envoyé. Chez Legrand, ça s'appelle les coll-rings. Donc les rings, c'est un rond, les colliers ronds. Excellent. Lucien, on a reçu avec un dégraissant multi-usage 3 en 1, très utile aussi. Le pack d'origine NIMH de la petite LRP. Le carton est tellement gros, je dois plonger au fond. Et heureusement que j'ai ouvert le côté où il n'y avait pas tous les copeaux. Une deuxième batterie à 2 pros. Toi, tu étais tombé dans l'optionnite. Donc, les célèbres amortos qu'on voit sur AliExpress partout, machin, qui sur le papier ont l'air pas mal, qui en fait ne vont pas sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engins. C'est prévu pour crawler, mais les ressorts, je pense, pour crawler sont trop durs. Après, ça dépend de combien tu laisses ta caisse, évidemment. Surtout ce qui est Traxxas et compagnie, c'est trop, ça va pas. Comme la rotule est en ferraille, elle bouffe très vite l'alu, ça se déglingue, et les tiges d'amorteau se tordent. On en a 6 d'ailleurs à ce sujet, et 2 comme ça, et là je crois que j'en ai encore 2 autres plus courts. Ceux-là, ouais, faut voir pour le Rustler 4x4 avec le poids qu'il fait, et le host, tout ça. Mais les. Ah, mais c'est un long et un court, il y a peut-être les 2 autres qui traînent quelque part, on verra ça. Ou alors, un côté est déjà mort. Ça arrive. Sur certains impacts latéraux, tu plies tout de suite les deux. Hop, c'est rectifié, c'est fait. Voilà. Alors, si vous ne voyez plus, c'est que je suis tombé à fond dans la boîte. Charlie. C'est rien, je suis en cours là. De la colle néoprène, ça c'est excellent pour recoller les pneus sur les déchirures, ça reste flex. Des tagadas. Du petit mélange à goulot. Alors, chez eux ça s'appelle donc référence code article, numéro de lot, collier de câblage. Polyamide. Alors, plus ça va, plus on a de noms pour ces colliers. De la glue extra forte avec pinceau applicateur. Je ne savais pas que Facom faisait autant de trucs aussi en petite machin. Double face en mousse.
Je suis toujours là. Je suis toujours au fond de la boîte. Un rouleau de Shotaton. Et... une sonde de quelque chose. Gizzuzix Beans. Alors là, mystère. Tu nous feras part de ce que c'est. Si tu le cherches, c'est ici, je te le renverrai. Parce que, ça n'a pas l'air d'être un morceau de RC, ça. Alors, un méga grand merci déjà de la part, je peux vous le dire à tous, hein, de Petit Cornichon et de Gigi, qui m'ont dit à plusieurs reprises derrière qu'il faut absolument qu'ils se prennent le temps de se mettre sur la vidéo pour vous remercier tous. Voilà. Parce que beaucoup d'entre vous pensent à eux aussi, pas qu'à moi, et ça c'est super cool. Parce qu'accessoirement ça me fait aussi plaisir à moi, c'est certain. Et là, le Traxas rustlé. Le Traxa rustlé. Attention, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Un Traxa rustlé. Peut-être pas ouvert les deux côtés en même temps, celui-là était encore fermé d'origine, mais bon, on va voir celui-là alors. On va voir par là. Alors, j'arrive avec, hop, j'essaie de rien oublier, nous avons des petites chaussettes Traxas vertes flexitube. C'est marrant ce mot des chaussettes, hein. Je suis définitivement pas fan. Toute la notice, le système pour monter le smartphone sur la télécommande. Il a installé de toute évidence déjà la pièce option pour mettre les batteries plus grosses, les cales de suspension, un peu de visserie, on va mettre tout ça ensemble. La radio Traxas TQI qui a, est sortie de la boîte avec les piles dedans. C'est un malade. En plus, lui, il avait installé le module Bluetooth. T'as bien fait de le récupérer si tu as d'autres radios Traxas. On a le petit pignon d'origine, les roues d'origine, en parfait état. Alors, je les trouve un peu dommage, hein, ces pneus, ces talons, ils les ont fait, t'as l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et... comme sur ceux du Erevo, ça se déchire relativement rapidement sur le côté. Problème qu'ils ont, heureusement pour nous, résolu sur le sled avec les sledgehammers. Traxas te propose de monter les sledgehammers là-dessus si tu veux l'avoir plus haut. Mais n'oublie pas que les sledgehammers sont plus grands. Et du coup, il est impératif de descendre la garde au sol, sinon tu as très pas de descendre la garde au sol, de descendre l'étagement de transmission à son minimum. Donc enlever le cache arrière du moteur et mettre le pignon le plus petit possible, je crois que c'est 9 ou 10, que le moteur soit complètement contre la transmission. Sinon c'est mimi serrara, c'est la même merde. Tonton a roulé avec deux petites roues devant et deux grosses à l'arrière. Ça c'est très mauvais. Surtout qu'on a ici pas de diff central. On a donc une différence de vitesse de rotation en kilomètre heure entre le train avant et arrière. Donc quelque part ça force, donc ne faites jamais ça, c'est très mauvais. Il faut mettre les 4 mêmes impérativement sur un 4x4, sauf s'il a un étagement différent entre le diff avant et le diff arrière. De façon, par exemple, comme sur le Arma Felony, où le constructeur a prévu que vitesse de rotation finale du train avant arrière sont identiques. Sinon, tu as un gros problème. Et on a... T'as pas fait ça? Tu l'as aussi mis avec. On a le module Bluetooth. Il y a le module livré avec. Tiens, un zinzin. Alors, suspension. Tu vois, origine, on est mou devant et on est bizarre derrière. Qu'est-ce qu'il nous a fait, tonton? Il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce que tu as fait? Alors on va voir ça. Je ne sais pas si tu as mis des espèces de butées sur les suspensions, on dirait bien, pour que l'engin parte plus vite sur deux roues.
carrosserie version verte et bleue. Alors moi je suis pas fan de ces carreaux Dressler, hein. J'ai vraiment pas ce look cabine, il manque un bout derrière et la petite moumoute dessus là, même si elle est utile, ça protège bien, c'est clair ce retournement, mais je suis pas fan. Il a rajouté en plus une tonne de choses. On a un ventilateur à l'intérieur avec une prise jack pour simplifier le truc. Ça c'est malin, jack ça se débranche vite, tu vois. On a le petit jack là pour le ventilo. On a donc le ID avec la prise de télémétrie en plus. On a le ventilo sur le Véli. On a un double ventilo sur le moteur. Cardan d'origine en excellent état. Amorto d'origine en excellent état. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, ouais. Il y a une pièce qui s'est baladée dedans. Alors celle-là, il fallait y arriver. Mais on est quand même bloqué. Mmh. Donc ça, les mecs, c'est quand on met trop d'huile. Tonton l'a mis trop d'huile dedans et la voiture ne masse plus. T'as peut-être fait exprès ou alors t'as mis une durite en haut dans l'amorto. Ça, c'est étrange. Ouais, je suis curieux, on va regarder ensemble. Et on a le feu arrière aussi. De chez Mourat, je pense. On a pas de feu avant, t'as mis que l'arrière pour faire le dragster. Alors. On a les protections d'amorto inférieur de Stampede 4x4. Que je trouve vraiment que Traxxas aurait dû mettre d'origine. Ah, mais c'est ça qui coince, ça. Cherche pas, c'est pas l'amorto, Mani. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce qui coince, les amis. C'est ce que je vous avais dit. Quand vous équipez les protections d'amorto, il faut impérativement les découper. Parce que regarde, elles touchent le châssis. Tu touches ici, donc tu es obligé de modifier le système pour que ça passe là derrière. Tu ne peux pas le monter comme ça. C'est là qu'est la boulette. Parce que l'amorto, lui, il va super bien. Regarde, on va rapidement enlever le cache. Lui c'est l'amorto. Alors c'est dommage hein, ce Rustler je trouve très très cher d'origine et il a pas grand chose en fait, il est tout petit, tout bas du sol, très faible débattement, alors il passe bien dans une pelouse tendue et puis après c'est fini. Ça fait un peu cher pour rouler juste dans une pelouse tendue d'un parc, des engins beaucoup moins chers qui font la même chose. Et si tu vas attaquer du plus gros tout terrain, c'est pas non plus lui qu'il te faut. Alors d'ailleurs, tiens, lui, on va lui mettre. Oh, attendez, il faut que j'enlève les roues. Je viens de voir autre chose, les mecs. Alors, on remettra hein, le cache de la protection d'amorto, mais on va évidemment la modifier pour qu'elle soit au bon endroit. Tu vois, là, oh, tout de suite, ça va mieux. Je vais te faire l'autre côté aussi. Donc tout ce qu'il faut, c'est faire une petite découpe pour pouvoir l'installer comme il faut à l'arrière. Et si tu veux une garde-sol correcte, tu es obligé d'aller sur les ancrages maximum. Voilà, sur la suspecte. Qui rend par contre le comportement de la machine moins stable. Tu vois, là, on est bien. Là, on a du bon débattement. On va voir si on peut choper pareil devant. Donc oui, c'est un peu le truc, en fait. Hein. Il a la dimension, les machins, ça passe un peu plus pour vers le buggy 1.8. Finalement. Et il est aussi cher qu'un buggy 1.8. Sauf qu'il est plus court. Et on sait tous qu'un vrai buggy 1.8, ça encaisse méchamment. Là aussi, hein, on remettra évidemment les protections.
Mais c'est pareil, si vous voulez utiliser l'ancrage que je suis en train d'utiliser là pour avoir la suspension à son max, vous êtes aussi obligé de modifier un petit peu le cache. Ce que nous ferons pour rendre cet engin tout terrain. Alors, faut pas se tromper, c'est celui-là. Ah, quoique, non, ça, je pense qu'on se ferait pas mal. Voilà. Ouais, je fais mumuse, j'ai envie. Là, on a un engin en parfait état de marche. J'ai juste à y brancher la batterie pour rouler. C'est quand même fou. Voilà. Très bien. Alors, comme dit ça, je le remettrai plus tard. On va mettre les cales de côté pour les perdre. On va se mettre rapidement ça aussi de côté. On l'équipera aussi avec ce qui va bien niveau... On va mettre tout ça de côté avant que ça tombe. Ça y est, je me suis perdu dans ce que je disais. Allez, je m'amuse. Alors, il a pris les options alu, écrou alu bleu. Et regarde. Les 10 de frein complet GPM plus 2 mm pour élargir un peu la machine, ce qui est une très bonne idée. Bon, ça fait un petit peu de poids en plus, mais pas trop méchant. Et ces petits machins GPM ont la particularité aussi de choper la jante pour renforcer l'hexagone, pour éviter qu'il éclate. Alors faites gaffe, évidemment, tu ne peux pas monter ces trucs-là sur toutes les jantes. Il y a des jantes où ça va coincer. Donc il faudra faire très attention au moment de serrer les roues. Surtout aussi que souvent, ça repart avec la jante. Donc ne perds pas le petit axe. Hop. C'est marrant parce que là il est plus large devant que derrière. Alors on va vérifier quelque chose. Tu vois, à chaque fois il vient avec, donc tu fais gaffe. C'était bien serré quand même. Hein. Peut-être un peu trop. Plus de 1000 mètres aussi à l'arrière. Pourtant, on a les quatre mêmes jantes et l'engin est plus large devant que derrière. Ça, c'est pas trop mon trip. Je sais pas, c'est une mode ces derniers temps. On a vu plein de véhicules avec ça. Kyosho, c'est le grand spécialiste pour ça d'ailleurs. Bon, une voie avant plus large que la voie arrière. Je n'aime pas ça. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre à l'avant les hexas d'origine. Donc, évidemment, si vous avez des vieux Traxxas 4-4 ou 4-2, les nouveaux cardans se montent, mais attention. À la sortie d'axe, il y a deux diamètres différents chez Traxxas, c'est du 5 et du 6. Donc si vous avez vraiment les modèles avec encore les axes de 5, il faut changer les roulements. Et il faut avoir le bon écrou aussi. Enfin l'écrou non, c'est le même. Normalement, on commence par N, finit par T. Alors... Alors, tonton, c'est ce que tu peux nous dire sur quel 1/5 tu roules? Tout terrain, piste. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers le 1/5? Ah, là, on est bien. Là, on est bien. Donc, on va faire ça. Ah, là, il est resté. Chez Traxxas, faites gaffe aussi toujours, hein, la petite rondelle Teflon derrière à cause du jeu. Il y a quelques buggy qui ont ça aussi, enfin Serpent t'aime bien. Moi je suis pas trop fan de 36 000 rondelles de calage partout. Surtout sur les engins, comme dit de compète, parce que tu... En fait, quand tu démontes et quand tu dois réparer, c'est très vite paumé. Voilà.
Tu vois, on est bien bas. Bon, devant, il est dur. Hein. On va voir s'il ne manque pas un peu d'huile devant, à la limite. On va changer le... Quoique... Attends, il y a une grosse cale là. Là, il y a la petite scie. N'oubliez pas, quand vous recevez ces machines neuves sorties de la boîte, il manque les rondelles de calage sur les amorteaux. Et si tu vas rouler sans les avoir mis, il faut au moins mettre, il me semble, je vous invite à revisionner sinon la vidéo d'unbox qu'on avait faite, il faut mettre au moins les plus petites pour que le ressort presse sur la coupelle pour ne pas aller perdre ton ressort. Et même là, dis donc. En fait, si tu mets pas le grand, non, ça va pas. Tu es obligé de mettre le grand, c'est fou ça. Et après, on a une réaction un peu. Bon, à tester sur le terrain, tu vois. Bon, là, on est quand même là, ça commence à venir sympa la garde au sol. Mais on est un peu. C'est un peu étrange tout ça. Niveau réglage. Enfin, moi, j'étais pas vraiment à l'aise avec le Rustler sorti de la boîte niveau réglage. J'ai pas réussi vraiment à couper. Alors. On a évidemment la carrosserie Elsace, pardon, Probody, de différentes couleurs. Et la carro Elsace aussi. Alors ça, c'est encore la Probody. Qu'est-ce que j'ai fait de l'Elsace? Je l'ai là, ça tombe bien, je vais vous montrer la différence entre les deux. Ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé super chouette. Elle est là. Voici la carro Elsace. Ils ont... fait l'avant style Dodge Charger, tu vois, ça change un peu le profil, ça donne un look un peu plus plat, plus large devant, et c'est pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Enfin, personnellement, je suis globalement pas super fan des carrosseries de Rustler, donc n'hésitez pas, si il vous en faut, il me reste les trois que je viens de vous montrer, donc j'ai deux noires et une blanche. Je suis en période cafard bousier, tout ça. C'est dommage, elle est un peu courte. Elle est un peu courte, il faudrait prendre le modèle plus grand. Celle-là, elle est vraiment pour Rustler 4.2 plus. Hein, donc on mettra ça sur un. J'ai plus qu'à acheter un Rustler 4.2, c'est ça quoi. Non, sérieusement, si quelqu'un a besoin d'une carotte Cox pour Rustler 4.2, hein, vous me contactez. Alors, c'est pas gratuit. Hein. On a acheté la carreau, on l'a fait peindre. Hein. C'est juste là, elle est dispo. Comme ça, c'est un projet qui me traînait en tête, j'avais envie de le faire. On n'a pas encore eu le temps de faire plus loin, donc entre-temps, on a fait d'autres choses. Le projet s'est un peu perdu. Donc surtout, vous me faites signe. Voilà, le petit Traxxas Rustler. Donc ça, on va mettre de côté, on s'en organise encore deux autres pour notre véhicule, à la limite, pour qu'on en ait quatre, parce que c'est quand même plus sympa. Sauf si on trouve un petit 4-2 qui est cool. On va l'utiliser quand on fera le test. Du coup, Maverick, puisque j'ai le Maverick ici, Truggy, comment qui s'appelle, Quantum Flux, 200€, 450, évidemment, au niveau solidité, le Quantum ne peut pas rivaliser, ça c'est clair. En 2S il s'en sortira, en 3S il va mourir. Bon, lui il n'a pas à faire ses preuves, c'est sûr que lui est mieux que lui parce que ils ont une meilleure électronique à bord du V3, ils ont des meilleurs amortisseurs et des meilleures pneumatiques. Donc en tout point de vue, le Granit V3 pour moi au-dessus du petit Rustler, et pour 100 à 120€ de moins, c'est énorme. Après, c'est toujours pareil. T'aimes le look de la bagnole, Traxxas, il y a plein de boutiques qui en ont, les pièces sont dispo à foison, surtout que c'est une base éprouvée, Slash, Rustler, Stampede, Os. Il y a des pièces qui diffèrent, mais les pièces principales sont toutes les mêmes, donc il y en a à gogo, à dispo pour nous tous. Donc un méga grand merci à toi, tonton Hugues. Celle-là, je m'y attendais pas, tu m'avais parlé de la petite LRP, mais là, là t'as fait fort quand même. Hein. Salut à tous.